À Lyon, elle est presque devenue une institution. Dans ce bâtiment, la salle Rameau et son académie de billard sont menacées de fermeture. Une fin toute proche dans les mois à venir. Et nous avons eu un courrier qui nous a été remis avec accusé de réception, effectivement, en janvier. Nous annonçons qu'il y avait une rupture de la convention, dénonciation exactement de la convention d'occupation des locaux, et que nous devions libérer ces locaux le 7 juillet. Point. La plus vieille salle de billard de France, située rue de la Martinière dans le 1er arrondissement, a été créée en 1908. La ville de Lyon, propriétaire du lieu, a signé un bail emphytéotique avec l'académie de billard, simple locataire. La ville a décidé de vendre le bâtiment, avançant l'argument du déficit et de la faible fréquentation de la salle de billard. Les visiteurs, eux, parlent surtout de la magie d'un lieu de rendez-vous qui va se perdre. Cette salle, c'est une salle historique au niveau de Lyon. C'est la plus vieille salle de Lyon en fonction. On n'a qu'à voir le décor. C'est un décor assez spécial. C'est pas un club de billard dans un préfabriqué ou quelque chose. C'est vraiment l'esprit du billard d'antan qui se retrouve ici. Depuis le 3 mars, Bruno Gérard a lancé une pétition qui a déjà recueilli 2400 signatures. Mais le président sait que le sort de l'académie de billard est scellé et qu'il n'aura pas d'autre choix que de partir. Nous avons 450 mètres carrés effectivement en centre-ville et c'est terminé. Il n'y a plus un seul lieu comme celui-ci. Ça coûte très cher, donc il semblerait que la ville veuille vendre au privé sans se préoccuper plus que cela de la convivialité. On en parle beaucoup de la convivialité, mais où sont les actes? Si la ville de Lyon a pris cette décision, c'est parce que justement on veut faire quelque chose d'encore plus intéressant pour les Lyonnais, encore plus intéressant pour le quartier. Alors bien sûr que la vocation billard, ça les anime, c'est leur passion, bien sûr qu'ils ont envie que le billard puisse continuer à exister. Et nous, notre responsabilité pour la ville de Lyon, c'est d'essayer de trouver un autre lieu où on pourrait mettre quelques tables de billard pour permettre justement à ses compétiteurs de continuer leur activité. Du côté de la ville, on annonce aussi qu'une procédure de consultation va être ouverte dès le mois de mai afin de définir le futur projet de la salle Rameau. Le maintien d'une activité de salle de spectacle reste privilégié.